Bien, je suis Jean-François Moiret. Je suis ici dans mon atelier à Pont-Saint-Esprit. Je vais présenter un certain nombre de tableaux, y compris sur mon site. En ce moment, je viens de finir un thème sur Venise. Après, j'ai peint des thèmes sur la féminité, la poésie, la Provence. J'ai commencé à peindre, j'avais 15 ans la première fois, et puis ça fait 45 ans que je peins, je fais ça. J'ai peint des centaines de tableaux, j'exagère peut-être. J'en ai exposé beaucoup aux États-Unis pendant 6 ans, après en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, un peu partout, en France notamment. Et maintenant je suis arrivé à un âge de raison où je me consacre uniquement à mon atelier. Alors, les tableaux que je fais sont faits depuis mon imaginaire et ma mémoire. Je ne peux pas peindre d'après photographie, mais quand je vois un paysage ou quelque chose qui me plaît, je fais des croquis. Je vais faire un premier mélange parce que tout à l'heure, je vais vous présenter un tableau que je vais faire, qui est la nouvelle série de tableaux que j'attaque, qui sont des tableaux sur la Méditerranée. Alors, pour faire un ciel, il faut toujours commencer par du blanc. Je fais un fond blanc, le plus blanc possible, avec différents bleus. Voilà, là je vais faire différents bleus. Je vais prendre des bleus un peu plus clairs, des bleus un peu plus foncés. Et pourquoi je commence par le ciel? Parce que le ciel, c'est de là que vient la lumière. Et c'est le ciel qui va éclairer tout le tableau. Forcément qu'il sera un peu bleuté, mais la Méditerranée c'est comme ça. La mer c'est comme le ciel, c'est infini. Avant qu'on le gagne, il faut le peindre. Il y a toujours du violet dans le ciel. Alors on peut faire des moutons, comme on peut faire, moi je fais plutôt un ciel généreux vu à l'infini. Il faut une peinture, c'est une émotion. Un écrivain, il écrit ce qu'il ressent et ce qu'il invente. Mais un peintre, il traduit ses émotions. Qu'on soit abstrait ou impressionniste, peu importe. C'est une fresque que je vais faire. Je raconte ma vie, ou des vies. Les écrivains, ils écrivent, moi je peins. Alors il va y avoir beaucoup de sujets différents. Ici, je montrerai ce qu'était ma famille, ma Jacqueline, mes enfants. Ici, c'était un déjeuner de campagne. Ici, je reprends le fameux thème du déjeuner sur l'herbe de Manet. C'était un chef-d'œuvre. Donc là, ça sera fini. Le tableau, cette fresque est à peu près à la moitié de son exécution définitive. J'ai mélangé beaucoup de choses, à la fois des musiciennes. Ici, je vais faire le portrait de Georges Brassens, avec un oiseau sur l'épaule. Il est en train de fumer sa pipe. Ça, c'est une musicienne que j'ai connue, qui joue du violoncelle. Et ça, c'est une dame qui se repose devant un miroir. Ici, il y aura de la feuille d'or là-dessus. Ici, il y aura un peu de feuilles d'or là-dessus. Comme le tableau est à moitié, forcément, je vous explique ce qu'il va y avoir. Et quand le tableau sera fini, vous le verrez plus complet.